Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bah, j'essaie de me connecter avec Kelly. Ah. Et coucou tout le monde. Merci d'être là. Ah ben voilà, Kelly est là. Coucou, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Ouais. Ouais, bah, je bosse T'es pas dans le rush? mal. Bon, ça va. Bah, aujourd'hui, j'ai fini un peu plus tôt. Et toi? Ah. Bon, ça Ça va, tu bosses pas trop, ça va, tout va bien. va. Oui, tout va bien. Non, c'est assez light en ce moment. Oh, bah, ça va. Donc, tu peux bien récupérer. Là, j'ai eu pas mal de demandes. Donc, oui, ça tourne en ce moment, ça va. Donc, Ouais. voilà. Donc, on est en avance cette Ouais. semaine. Incroyable! Oui! Ah, bah c'est rare qu'on soit en avance. Généralement, on est un Ouais, pour petit la peu en première retard. fois. Ouais. Donc, on a quelques personnes parmi nous. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Merci de vous joindre à nous ce soir. Donc, bon, on va attendre encore un petit peu, voir s'il y a encore du monde qui se connecte. Et bah, le sujet de ce soir, c'est Le système Booster. immunitaire. Ouais, comment booster Ouais. le système immunitaire? Voilà. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui se demandent comment on peut bien booster notre système immunitaire. Voilà. Ah, d'un petit commentaire. Elle est belle, Kelly. Merci. Ah, oui. Bon, là, pour ceux qui sont avec nous, donc là, j'annonce que ce sera notre dernier live. Avec nos partenaires. Là, on va démarrer sur quelque chose de nouveau la semaine prochaine. Donc, je laisse le secret. C'est un surprise pour tout le monde. Comme ça, vous Ah, pourrez mais vous. moi, je sais pas. Non, tu ne sais pas encore. Mais tu verras, tu verras. Ça va être très différent. Mais on va se focaliser un peu sur les coachs de Cyclone. Donc, voilà. Et comment c'était ta semaine? Parce qu'on est presque fin de semaine. Tranquillement. Ben, je t'ai envoyé le lien sur le congrès de naturopathie. Oui, que finalement, je n'ai pas pu faire. Donc, Ouais, bah c'était sur l'immunité finalement, donc ça tombait bien. c'est bien. Donc, du coup, tu peux partager peut-être d'autres informations que tu as pu. Et coucou. Oui, j'ai pas tout regardé, mais quelques-unes. D'accord. Bon, bah, on va démarrer. Donc, à nouveau, pour ceux qui sont avec nous, bienvenue, bonne soirée. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine. On est presque fin de semaine. Demain, c'est vendredi. Oh, yes, je suis contente. Ce soir, on va parler de comment booster l'immunité. Donc, ma première question, Kelly. Pour ceux qui ne connaissent pas Kelly, Kelly, elle est prof de yoga, mais elle est également naturopathe. Ouais. Elle va nous expliquer. Déjà, qu'est-ce que c'est le système immunitaire ou, voilà, donner un petit peu, expliquer un petit peu comment ça marche. Ouais. Du Voilà, je coup, te laisse le la parole. système, ouais. Du coup, le système immunitaire, c'est notre système de défense que le corps utilise pour assurer la résistance aux maladies. Donc, c'est notre capacité à nous de nous prémunir contre des maladies ou des infections, que ce soit du simple rhume jusqu'au cancer. La majorité des cellules qui sont impliquées dans notre système immunitaire vont se retrouver dans nos organes lymphoïdes, ce sont la moelle osseuse et le thymus, qui vont produire des lymphocytes qu'on appelle les cellules immunitaires. Donc, par exemple, la fièvre et l'inflammation. Ce sont des exemples qui sont employés par notre organisme pour nous protéger des agressions éventuelles. Donc, notre mission principale, la mission principale du système immunitaire, c'est de protéger l'organisme contre des éventuels des envahisseurs étrangers. Et Ouais. parmi ces substances menaçantes, on va retrouver les microbes, donc tout ce qui est virus, champignons, parasites, bactéries. On va retrouver aussi les cellules qui sont devenues cancéreuses. Ouais. Et les corps étrangers, ça peut être une écharde, par exemple, ou ça peut être aussi un organe greffé. Donc, pour défendre l'organisme contre ces envahisseurs étrangers, le système immunitaire, il doit être capable de
distinguer ce qui appartient au corps, donc ce qui est en soi, et ce qui n'en fait pas partie, ce qui est exogène ou étranger. Donc, une réponse immunitaire normale, ça va impliquer la reconnaissance d'un antigène étranger qui est potentiellement dangereux, l'activation et la mobilisation des forces pour se défendre contre cet antigène, puis l'attaque de l'antigène et enfin le contrôle et la fin de l'attaque. Le problème, c'est que si le système immunitaire ne fonctionne pas correctement et qu'il confond les substances qui sont endogènes et exogènes, il peut attaquer les propres tissus de l'organisme et va induire une maladie auto-immune, comme par exemple la polyarthrite rhumatoïde. Et plein d'autres. Donc, principal. Ouais, et plein d'autres. On a aussi la thyroïdite de Hashimoto, principalement. D'accord. Voilà. Donc ça, principalement, c'est comment, comment fonctionne le système immunitaire. Parfait. Et bon, donc, on va aller directement au but. Ouais. Quels sont les conseils que tu peux nous donner afin de garder un bon, pour avoir une bonne immunité ou renforcer le système immunitaire? Alors, pour le renforcer, il y a plein d'actions à mettre en place. Donc, forcément, notre mode de vie influence votre santé et celle de votre système immunitaire. Donc, déjà, veillez au bon sommeil parce que le temps et la qualité du sommeil sont très importants. Durant cette période, le cerveau va sécréter des hormones. Le système immunitaire va lutter contre les infections. Ouais, ça bug. Ça bug. Ouais. C'est bon, tu es là. Ok. Je suis là. Donc, c'est bon. Donc, les nuits sans sommeil troublent le système immunitaire. Mince. Tu me vois plus? Ah, je crois qu'on a perdu Kelly. J'espère qu'elle va revenir. Ah, on va voir. Ah, tu reviens. Ça y est. Là, je suis là. C'est moi qui avais disparu de ton écran? Oui, c'était Ah toi, oui, mais là, je ne sais c'est pas. bon. Ok, donc du coup, je parlais du sommeil. Donc, les nuits sans sommeil, forcément, troublent le système immunitaire et vont l'affaiblir. Puis, avoir aussi une bonne alimentation, parce que le fait d'adopter des habitudes saines alimentaires, ça permet de stimuler votre système immunitaire. Donc, on pourra voir un peu plus tard quoi adopter comme habitude alimentaire. Oui. Et puis, veiller à l'état émotionnel de la personne aussi, s'accorder des temps de repos, réduire le niveau de stress, parce que le fait d'être stressé ou exténué, ça vous affaiblit vous et votre système immunitaire. Et bien sûr, en maintenant une bonne flore intestinale, donc je fais un rebond sur le live, le dernier live, notre système immunitaire est impliqué dans notre immunité, notre humeur et notre morale. On a 70% des cellules immunitaires qui sont situées dans l'intestin. Et on a certaines molécules qui sont produites par le microbiote intestinal qui sont indispensables pour le développement de notre immunité. Donc, prendre soin de son système digestif, c'est aussi renforcer son système immunitaire. Et puis aussi, éviter la prise d'antibiotiques et de certains médicaments dans la mesure du possible, bien sûr, et toujours avec l'accord de son médecin traitant parce que ça perturbe le bon fonctionnement de votre santé intestinale, pardon, et du coup aussi de votre système immunitaire. Ok. Voilà. Après, Bon, ça vous fait une avez longue liste, aussi. là. Attends que je... Ouais, ça fait une longue liste. Donc, principalement, l'alimentation, la gestion de l'émotionnel, du stress, en maintenant une bonne Ouais. flore intestinale et en pratiquant une activité physique aussi. Bon, on a déjà parlé de la flore intestinale, donc dans les Ouais. lives précédentes. C'est Voilà. ça. Après, vous pouvez prendre certaines plantes aussi qui sont bien. Je peux en parler un peu plus si tu veux sur les plantes. Le Ouais. fait de fumer, ça affaiblit aussi considérablement le système immunitaire. Mais bon. Et Ben, puis, parlons de revenons principalement. sur le sommeil. Donc, idéalement, il faudrait qu'on dort combien d'heures par nuit? Bah, 8 heures, c'est une bonne moyenne, on va dire. D'accord, À peu ok. près. C'est une bonne moyenne. Après, ça dépend aussi de votre activité dans la journée, si vous êtes sédentaire. Si vous faites beaucoup de sport, vous avez peut-être besoin d'un peu plus de sommeil pour bien récupérer.
Pour après améliorer votre sommeil et renforcer votre système immunitaire, vous pouvez déjà éviter les écrans d'ordinateur et de télévision au moins une heure avant votre coucher, qui peuvent maintenir éveillé et qui altèrent la qualité du sommeil. Vous pouvez aussi ne pas hésiter à vous relaxer avant, en prenant un bain si vous en avez un, ou en faisant des exercices de respiration ou de cohérence cardiaque. Évitez aussi les boissons excitantes comme le café le soir. Alors, et évitez de faire... Oui, la cohérence cardiaque, on l'avait vu pendant un autre live avec la clinique de bien-être. Ah, super. Peut-être tu veux rappeler les gens qu'est-ce que c'est la cohérence cardiaque, parce que pas tout le monde connaît ça. Ouais, alors j'en ai pas fait beaucoup, mais ça se base sur un exercice de respiration. Ne faites surtout pas ça quand vous êtes au volant, parce que vous pouvez vous endormir. Ça se base sur un exercice de respiration. Vous comptez un peu votre tempo, votre rythme de respiration. Ça permet d'apaiser, de calmer le rythme cardiaque et de trouver plus facilement un état de sommeil. D'accord. Bon, ça, c'est vrai qu'on avait en discuté. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense qu'on avait fait, c'était avec Nathalie, la coach holistique de la clinique de bien-être, qu'on avait abordé cette cohérence cardiaque. Donc, vous pouvez le regarder dans nos lives, donc, pour revenir dessus. Ouais. Voilà. Et donc, on va revenir sur chaque point. Donc, bon, on a vu la semaine, la question émotionnelle. Donc, par rapport à l'alimentation, il y a quelque chose en particulier qu'on doit retenir afin pour nous aider Il y a beaucoup de choses, ouais. Ok. Bon, on va prendre des notes. Hein. J'espère que tout le monde a un petit calepin, là. Parce que, bon, c'est important. Je peux vous faire une liste, mais c'est vrai qu'après, c'est difficile à tout retenir. Donc déjà, vous avez tout ce qui est les aliacés. Donc, c'est tout ce qui est ail, oignon, échalote, ciboulette, poireau. Ça participe à une bonne flore intestinale. Vous avez tout ce qui est agrumes, qui sont riches en vitamine C et antivirales. Donc, c'est très bien pour le système immunitaire. Ouais. Les champignons, ce sont des champions en matière d'immunité. Donc, pensez aux pleurotes, aux champignons de Paris. Oui. Ils ont une teneur en sélénium antioxydante, donc ça, c'est super pour l'immunité. Ouais. Toutes les herbes aromatiques aussi, thym, origan, sarriette, c'est très bon. C'est des antibiotiques naturels qui peuvent prévenir l'apparition du rhume, des grippes, de la bronchite ou encore de la sinusite. Et en plus de ça, ça facilite la digestion. D'accord, donc grosso modo, il faut faire des beaux petits plats à base de légumes, ajouter l'ail, les oignons et tout. Ces herbes, en fait, c'est ça. Oui, les herbes, les champignons. Et puis, enfin, surtout une chose assez importante, quand une maladie survient, essayez d'arrêter strictement de consommer du fromage, tout ce qui est produits alimentaires trop sucrés, les produits raffinés, tout ce qui est pâte blanche, farine blanche, riz blanc, le lait, le fromage de vache, et tout ce qui est transformé par l'industrie agroalimentaire, qui fatiguent et affaiblissent l'organisme, en fait. Ok. Bon, si vous le faites au quotidien, déjà ça, ce serait bien à faire au quotidien. Déjà au quotidien, oui. Après, vous avez le gingembre, qui est super pour relever les plats et pour booster les défenses immunitaires et tonifier l'organisme. Donc là, et bien sûr, qui agit comme un prébiotique aussi. Vous avez le curcuma, qui est anti-inflammatoire. Après, vous avez tout ce qui est riche en vitamine C, comme je disais. Et puis, c'est important d'inclure des aliments qui sont riches en pré- et en probiotiques, puisque le microbiote représenterait 70% de l'efficacité de votre système immunitaire. Donc, vous pouvez facilement vous trouver sur Internet. Je disais, vous pouvez facilement vous trouver sur Internet une liste des pré- et des probiotiques si vous ne savez pas où les trouver. D'accord. D'identifier. Et les produits comme le propolis ou le pollen. Ouais, c'est très bien. Donc, c'est très bien. Les produits de la ruche, c'est super aussi. Vous avez la gelée royale, par exemple. C'est un bon immunostimulant et un reconstituant psychique et nerveux. Tout ce qui est pollen, comme tu disais, propolis, c'est très bien. La propolis, si vous avez des maux de gorge, vous pouvez prendre ça en pastille ou en spray. D'accord. Super. Voilà. Donc, tout ce qui n'est pas alimentaire, par exemple, les huiles essentielles aussi, ça peut booster. Oui. On avait peut-être les plantes, les huiles essentielles.
Ouais, alors je vais commencer par les plantes. Du coup, vous pouvez vous faire des infusions. Vous avez les feuilles de thym qui sont de super antiseptiques, des sphères ORL. C'est un anti-infectieux à large spectre et un stimulant de l'immunité. C'est aussi un bon dynamisant, donc ça, c'est super pour l'hiver. Vous avez l'écorce de l'acacho qui va stimuler les défenses immunitaires. Si vous voulez encore, la racine de l'eutérocoque, qui est adaptogène, ça veut dire qu'elle permet à l'organisme de mieux s'adapter au stress extérieur. Et c'est sous le stress qu'on est plus vulnérable aux microbes. Donc, ça exerce aussi cet effet-là adaptogène, et ça exerce aussi un effet anti-fatigue psychique et nerveux et va aider ainsi l'immunité. Vous avez la D'accord. racine d'échinacée, je pense que tout le monde doit la connaître à peu près, qui stimule les défenses immunitaires. C'est une plante qui contient des polysaccharides qui sont connus pour leurs propriétés favorables sur l'immunité. D'accord. Ouais, donc ça c'est donc toutes ces plantes, on peut les trouver où en fait? On peut les acheter où? Vous pouvez les trouver en herboristerie, vous pouvez les trouver en magasin bio, vous pouvez les trouver en vrac. Moi, je conseillerais à la rigueur de les prendre en vrac et vous faites votre mélange vous-même et D'accord, vous mais les qu'est-ce faites en infusion. est-ce qu'il y a des mélanges? Est-ce que par exemple tous les produits là qui les produits, toutes les plantes que tu as mentionnées, est-ce qu'on peut mélanger comme on souhaite ou il faut faire attention? Vous pouvez faire moitié-moitié. Si vous prenez deux plantes, vous faites 50-50 ou vous faites moitié-moitié. D'accord, ok. Après, c'est en fonction de ce que vous avez. Si vous avez par exemple un rhume, peut-être plus miser sur les feuilles de thym qui vont être super pour la sphère ORL. Donc, D'accord. c'est en fonction un peu de ce que vous avez aussi. Et des Si c'est symptômes, en juste, fait. oui, si c'est juste stimuler votre immunité, la racine d'échinacée, de l'eutérocoque, pardon, vous pouvez associer les deux. Vous faites 50-50, vous prenez en infusion. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus, vous prenez en bourgeon. Donc, c'est plus fort qu'une infusion. Vous avez le bourgeon d'églantier. C'est un immunostimulant et ça, c'est super. D'accord. Et par rapport aux huiles essentielles, hein, qu'est-ce que toi t'en Alors, penses? Est-ce que ça les huiles renforce? essentielles. Oui, alors, renforcer, ça va vous aider. Donc, vous avez l'huile essentielle de Ravintsara que peut-être tout le monde doit connaître. Ravintsara, c'est ce C'est. que tu as dit? Ouais. Oui, Ok, Ravintsara. ouais. Ouais, ça Oui. bug. Oui, Ravintsara, elle a des propriétés antivirales, antimicrobiennes et immunostimulantes, ce qui fait d'elle une incontournable dans votre trousse à pharmacie familiale et surtout en période hivernale. Et vous pouvez très bien l'associer avec d'autres huiles essentielles aussi, comme l'huile essentielle d'arbre à thé. Vous avez le pain sylvestre. Vous pouvez l'associer avec l'eucalyptus radié aussi, qui est très bien pour les voies ORL, avec lesquelles elles se synergisent très bien. Donc, par exemple, vous pouvez la respirer le matin avant de prendre les transports, par exemple. Vous mettez une goutte dans le creux du poignet, ou alors vous pouvez mettre deux ou trois gouttes sur un mouchoir que vous respirez pour vous prémunir des germes transportés dans l'air par les éternuements ou par les poignées de main. Enfin, par les poignées de main, c'est plus trop d'actualité, mais. Donc, à respirer, vous pouvez aussi l'ingérer que vous pouvez associer. Vous pouvez mettre une goutte de Ravintsara avec une goutte d'arbre à thé, par exemple, que vous pouvez mettre sur un comprimé neutre ou dans une demi-cuillère à café de miel. Et puis, vous Un pouvez aussi mettre aliment neutre, c'est quoi un aliment neutre? un an à comprimé neutre. C'est ce que tu trouves en pharmacie. Tu trouves des comprimés neutres en pharmacie. Jamais entendu ça. C'est quoi un comprimé neutre? C'est juste des comprimés avec rien dedans? C'est comme un Ouais, gamme? c'est. Oui, c'est neutre. C'est par exemple, je sais pas, tu as des comprimés de vitamine C ou d'acérola. Là, c'est un comprimé neutre qui sont spécialement faits pour mettre Pour... justement son huile essentielle. Ah bah tiens, ça je savais pas. Ah, bah j'ai Oui. appris quelque chose. Et ça, Voilà. tu trouves dans les magasins bio. Alors, en magasin bio, moi, j'en ai jamais trouvé en pharmacie, principalement. En pharmacie, d'accord. Ok. Principalement en pharmacie, mais après. Le mieux étant de mettre ça sur un peu de miel. Oui. Parce que le miel, c'est très bien aussi. Donc, vous avez le miel de thym, le miel de lavande, le miel de manuka qui est très bien. Donc, vous pouvez diversifier vos miels. C'est encore mieux. Le mieux encore, c'est consommer des miels à pression froid. Alors Ouais. ça, c'est compliqué à trouver parce qu'on ne trouve pas forcément dans les Ouais, magasins ça se bio. trouve pas de partout. Ouais. Ouais, c'est assez Peut-être sur complexe. Internet.
Oui. Je sais que le Country Store, ils ont vendu du miel. Ils ont un fournisseur qui produit le miel ici, dans l'arrière-pays, qui est vraiment très, très bien. Et je pense que c'est à pression froide. C'est vrai que ce n'est pas facile à trouver des miels à pression froide. Et en fait, c'est comme l'huile d'olive. C'est Ouais, mais ce j'en ai jamais qui trouvé est encore. Ouais, même l'huile de coco, en fait, tous ces produits, il faut que ce soit à pression froide, à préciser. Ouais. Et donc, après, il y a tout ce qui peut être des oligo-éléments ou les minéraux, par exemple le zinc, Oui, vitamine alors. D. Alors après, bon, le mieux, c'est de bien, comment dire, d'avoir une bonne alimentation pour une alimentation riche en fruits et légumes pour justement déjà apporter. Ah, ça coupe. D'accord. Donc le zinc, c'est un oligo-élément anti-infectieux par excellence. Et il va intervenir aussi dans la régulation de vos défenses immunitaires. Je ne sais pas si tu es là, ça bug un peu. Ah non, c'est bon. Je suis Bon, là. c'est bon. Ok. Ouais, Alors, ça avait ça bugué sur. Ça bug pas mal ce soir. Donc, le zinc, qui justement, il va intervenir dans une fonction, dans une hormone qui stimule le développement des lymphocytes T. Et ces cellules vont reconnaître et combattre les corps étrangers, les agents pathogènes et les cellules infectées par des virus. Donc, le rôle du zinc dans la réponse antivirale a deux modes d'action. De un, il va renforcer et améliorer la réponse immunitaire innée et acquise par l'activation des lymphocytes T et des lymphocytes B. Et de deux, il va empêcher la réplication virale et la multiplication du virus dans l'organisme. Et il va réduire les symptômes liés à l'infection. À Donc le l'infection. zinc, c'est très bien dans tout ce qui est défense immunitaire. Et D'accord. puis, tu as parlé aussi de la vitamine D. Effectivement, la vitamine D, c'est la seule vitamine à pouvoir être synthétisée par le corps humain, plus spécifiquement par la peau sous l'effet du soleil. Donc c'est pour ça qu'en hiver, beaucoup de personnes manquent de vitamine D. Donc les effets sur la santé sont nombreux, notamment sur sa densité osseuse et sur le système immunitaire. Donc, vous allez en trouver de la vitamine D dans l'huile de foie de morue, dans les poissons gras, dans le foie de poisson, dans le jaune d'œuf et dans l'exposition solaire. Ok, parfait. Et Et effectivement, ouais, la vitamine D, du coup, elle interfère avec votre système immunitaire à différents niveaux. Donc, c'est un bon complément à prendre. Une carence en vitamine D3 peut affecter le système immunitaire. j'ai une question par rapport au vitamine D. J'ai entendu Ouais. dire qu'il faut prendre le D3 en combinaison Ouais. avec le K. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Qu'est-ce qui Ah, dit que oh, ça. ça me dit quelque chose. Après, la vitamine D, vous la trouvez sous deux formes. Vous trouvez la vitamine D2 qui est présente dans les végétaux et vous trouvez la vitamine D3 qui est présente à la fois chez les animaux et les végétaux. D'accord. Et quand votre peau fabrique de la vitamine D, il s'agit de la vitamine D3. Donc aussi bien la vitamine D2 que la vitamine D3 peuvent être utilisées pour la complémentation, mais apparemment la vitamine D3 est mieux métabolisée que la vitamine D2. D'accord, ok. Après, par rapport à l'association avec la vitamine K, c'est fort possible. Il faudrait que je me renseigne. D'accord. Et donc, est-ce que c'est mieux prendre le vitamine D en ampoule ou en goutte? Tu as une préférence? Est-ce que tu préconises une En formule comprimé. comment? En comprimé. En comprimé? Donc, Ouais. comprimé, c'est à prendre journalier? Alors du coup, vous pouvez la prendre pendant la période hivernale. Vous pouvez faire une cure sur quelques mois, un ou deux mois, arrêter. Par exemple, peut-être faire une cure quand l'hiver arrive, peut-être vers octobre, novembre, puis peut-être D'accord. reprendre vers janvier pour terminer l'hiver tranquillement. D'accord, ok. Après, tout est écrit suivant forcément ce que vous allez prendre. Ça va être écrit. Combien de gélules ou combien de comprimés il va falloir prendre par jour ou si vous les prenez en ampoule. Et ça, par contre, vous suivez bien les indications Oui. du produit. Donc, c'est parce que ça dépend. Ça dépend, d'accord, ok.
Après, du coup, on a parlé tout à l'heure que la gestion du stress est importante pour éviter, Oui. pour booster l'immunité. Et on associe souvent donc les vitamines de groupe B pour la gestion du stress. Mais est-ce que du coup, indirectement, ça aide à booster l'immunité? Je te pose une question, peut-être un peu complexe. Les vitamines du groupe B pour la gestion du stress. Bah, on dit souvent que pour le stress, les personnes qui sont stressées, Ouais. il faut prendre les vitamines de groupe B et le magnésium. Mais Ouais, le est-ce que, magnésium, oui. voilà. Mais est-ce que les vitamines de groupe B, comme c'est dans la gestion bah, pour le stress, etc., est-ce que ça aussi, ça aide du coup à booster l'immunité? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Alors, je ne sais pas si ça a rien à voir. Après, pour le stress, forcément, tu parlais du magnésium parce que c'est un puissant régulateur nerveux. Donc, je te dis oui. Après, je dirais les aliments anti-stress, miser sur les aliments qui sont riches en magnésium. Je mettrais aussi des aliments qui sont riches en pré-probiotiques, pareil pour le microbiote, puisque ça influe là-dessus. C'est notre deuxième cerveau. Ça communique en permanence avec le cerveau. Oui. Après, pour la vitamine B, oui, je peux pas dire non, je vais pas dire de bêtises. C'est pas Oui, parce qu'en peut-être, plus, on a... c'est pas ce qui me vient en premier, en fait. D'accord. Oui, parce qu'en plus, on a quand même le B6, B9 et le B12 qui sont les Ouais, qui principaux sont très. très importants. Oui. Ceux qui sont végétariens, souvent, bah, ils doivent prendre des compléments pour le B12. C'est ça, hein? Oui. Et donc, c'est pour ça que je me demandais s'il y avait une connexion ou pas. S'il y avait un lien. Moi, Il y avait après, un je lien. mettrais aussi, pour réguler le stress niveau alimentation, une alimentation qui est riche en antioxydants, parce qu'ils sont essentiels aussi pour booster l'immunité et vont protéger aussi les cellules de l'oxydation. Donc, une alimentation riche en antioxydants, en zinc, en magnésium. Et puis après, effectivement, il faudra que je me renseigne sur le groupe, les aliments du Alors, groupe c'était B. juste une curiosité que. Ouais, bien sûr, mais bonne question. Donc, ce qui est intéressant par rapport au zinc, peut-être à préciser, c'est oui, on dit on se renforce le système immunitaire, mais aussi le Ouais. zinc, c'est bon pour la peau. Donc, ceux qui ont C'est des problèmes. excellent pour la peau. C'est un anti-infectieux par excellence et c'est le grand ami des peaux à problème. Donc, pour tout Voilà. ce qui est acné, eczéma, psoriasis, le zinc, faut y aller. Ouais, donc ça c'est bien à savoir, hein, c'est super. Je pense qu'on a couvert, oui, principalement on a mentionné donc les suppléments qui peuvent être importants pour le booster l'immunité. Je ne sais pas si on a oublié, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non, je pense pas. Hein. Bon bah bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Est-ce qu'il Ouais. y a-t-il des questions parmi vous? Parce que nous, on parle, on parle, on parle, mais peut-être que vous avez vous-même des questions en particulier. Ah, moi, j'ai encore une question, donc je suis un peu Dis-moi. bizarre parce que je suis. L'association. Alors, on a parlé de l'alimentation qu'il faut qu'il soit équilibré pour booster Ouais. l'immunité. Donc, on va parler surtout principalement des fruits. Ouais. Est-ce que c'est important d'associer certains fruits? Est-ce que il faut éviter d'associer des fruits acides avec les fruits qui ont un pH qui est moins acide? Est-ce que pour vraiment booster l'immunité, il faut manger plutôt des fruits acides? Ou quels sont les fruits qui sont à privilégier aussi pour booster l'immunité? Donc ça fait plusieurs questions en question. Oui, alors, il y a trois choses, enfin deux fruits du coup. Melon et pastèque, c'est à ne jamais associer avec quoi que ce soit. On mange le melon et la pastèque tout seul. D'accord. De Pourquoi? une. C'est en fonction justement du pH que ça va dégager après des réactions biochimiques qui vont se faire dans notre organisme. Ça ne s'associe pas. Donc, pour bien le digérer, il faut manger melon et pastèque tout seul, loin de tout. D'accord. Donc, à 16h ou à 10h, mais ça ne se mange pas en entrée, ça ne se mange pas en dessert. OK. De une. De deux, les fruits, d'une règle générale, ne se mangent jamais ni avant ni après un repas.
Ça se mange toujours, pareil encore une fois, soit à 10h, soit vers 16h pour le goûter ou autre. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous mangez vos fruits après un repas, donc admettons vous avez votre bol alimentaire comme un tuyau, vous allez manger vos légumes, votre charabia, tout ça, et votre fruit, ça va se digérer très vite. Un fruit se digère en 10-15 minutes à peu près. Sauf que, en attendant, vous avez toute votre viande, votre poisson à digérer. Donc, en attendant, le fruit va fermenter en haut. Et Oui. le fruit, du coup, va se transformer en sucre et en alcool. Et donc, aujourd'hui, on a plein de personnes âgées qui se trouvent avec des problèmes d'alcool alors qu'ils n'ont jamais bu d'alcool. Et ça, c'est souvent parce qu'ils mangent leurs fruits à la fin du repas et en fait, le fruit reste bloqué. Et donc, du coup, ça fait que leur foi. Oui, aussi. Et ça se transforme en alcool et vous profitez pas de, vous assimilez pas les bienfaits, les minéraux, les vitamines, les oligo-éléments des fruits que vous pouvez trouver dans vos fruits. D'accord. Et donc, Donc les fruits, ouais, toujours, jamais après un repas, à la rigueur 45 minutes avant un repas, sinon vous attendez 3 heures après votre repas. d'accord. Ok. Ah, c'est super important. Et si on veut Ouais, c'est vraiment super suivre la, important. et si on veut suivre vraiment la chrononutrition, Ouais. on va le privilégier plutôt à 4 heures Plutôt à de 4 heures, parce que l'après-midi. c'est à 4 heures que vous avez un pic d'insuline et c'est à ce moment-là que votre corps peut vraiment bien digérer le sucre et ça vous permet de manger du sucre. Enfin, du sucre, il ne faut pas manger n'importe quoi non plus. Le sucre, les fruits, c'est assez mieux. Sans le stocker inutilement et ça va permettre de bien l'assimiler. Donc, c'est vrai que la chronobiologie, c'est assez super en matière d'alimentation pour bien manger à certaines heures, certains aliments à heures précises pour bien assimiler et pour éviter de stocker inutilement. D'accord. Donc finalement, ces informations concernant quand manger les légumes, pardon, les fruits, à quel moment de la journée les manger et pas les associer avec donc avec un repas, ça Ouais. peut influer indirectement le système immunitaire. Ça peut fragiliser le système immunitaire, non? Je pense parce qu'il y a Ça peut l'affaiblir un petit peu. un peu. Donc Après, c'est quand ça même. peut déjà. Oui, en fait, ça peut le. Je pense indirectement, mais ça va d'abord affaiblir le système digestif. Digestif, ouais. Ouais. Et Donc, puis après, si ça. vous avez une. Ouais, pardon. Vas-y. Oui, non, mais Non, c'est ça, après. avec le système. Oui, vas-y. Si vous avez une Enfin. mauvaise digestion, on va y arriver. Si vous avez une mauvaise digestion, ça va créer de la fatigue. Et la fatigue, ça va vous affaiblir vous et votre système immunitaire. Donc oui, c'est corrélé et ça affaiblit indirectement le système immunitaire. Indirect. Ah oui. Et surtout que notre système digestif, s'il fonctionne moins bien, bah, du coup, on revient sur le microbiote. Aussi, et donc Voilà. qui dit un microbiote déséquilibré, enfin tout est lié en fait. Tout Voilà. est lié en fait. Donc, la base, c'est apprenez à bien L'alimentation. manger. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas que C'est la son base. apprendre à bien manger. C'est apprendre à bien manger et manger des choses au bon moment de la journée. Et surtout Ouais. des produits de qualité. Et C'est aussi de ça. respecter les quantités. Respecter En les fait, c'est ça la quantités base. aussi. Ouais, c'est ça. Et puis manger en conscience aussi, c'est assez important. Puis manger dans le calme. Si vous mangez en ayant des tensions, votre système digestif se bloque. Et vous digérez mal. Donc, essayez de manger dans le calme, en évitant toute frustration, les colères, tout ça. C'est important aussi. Parfait. Bon, ben, je pense que là, on a trouvé vraiment la base. Donc là, si vous suivez tous les conseils de Kelly, je pense que ça vous aidera à bien booster le système immunitaire. Ouais. Je ne sais pas encore, je pose la question si vous avez des questions. Hello, il y a des nouveaux arrivés. Bienvenue. Je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter ou est-ce qu'on a couvert tout? Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas, dont tu voulais peut-être ajouter, dont on n'a pas parlé? On a couvert pas mal de choses. Voilà, juste la base, c'est votre alimentation. Avant de vous faire une supplémentation en plantes ou autre, repensez votre assiette parce que c'est la base. Donc, si vous mangez n'importe quoi et qu'à côté, vous allez prendre de l'échinacée, ça peut vous aider, mais qu'à moitié. Donc,
C'est pas comme ça qu'il faut procéder. Donc, commencez par réformer votre assiette, déjà, de une. Et puis après, vous pouvez vous aider, bien sûr, de tout ce qui est plantes, huiles essentielles, parce que c'est là pour ça. Donc. Tout à fait. Et, bah, et surtout, quand vous commencez à être malade, ne courez pas tout de suite chez le médecin. Essayez de vous soigner plutôt avec tout ce qui est naturel. Parce qu'il y a plein de choses en plus, donc. Du moment qu'on prend les médicaments, tout ce qui est médecine traditionnelle, ça s'affaiblit. Donc, on a parlé des antibiotiques, mais tous les médicaments peuvent affaiblir le système immunitaire. Sauf quand il y a des D'une, maladies ça. graves, peut-être. Oui. Oui, enfin, d'une, ça affaiblit, et de deux, c'est que vous n'avez pas compris pourquoi vous êtes malade, et chaque année, vous allez tomber malade. Et donc, chaque année, vous allez voir le médecin pour traiter le petit rhume ou le petit mot de gorge. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de revoir un peu son hygiène de vie, son assiette. Et le but, c'est de faire de la prévention. C'est pas de tomber malade pour agir. Le but, c'est de faire de la prévention. Juste un petit conseil pour ceux qui, parce que moi j'ai eu le cas avec dans la famille où on peut voir quelqu'un qui a toujours des rhinites, donc des rhinopharyngites à répétition, donc dans l'année ça devient des rhinopharyngites qui sont chroniques 3, 4, 5 fois, et donc tout de suite ils se jettent sur le cortisone ou voilà des produits comme ça. Mais l'idéal, c'est aller voir un naturopathe, essayer de comprendre quel est le problème de base. Et peut-être que juste en changeant votre alimentation, ou peut-être, des fois, ça peut être une question d'allergie, etc. Aussi, ouais. Ça peut aider. Voilà. Mais généralement, s'il y a des rhumes qui sont récurrents, ou des rhinites, pharyngites, etc., qui reviennent, c'est qu'il y a, c'est chronique et il y a un état inflammatoire dans le corps qui peut être résolu grâce au conseil de naturopathe. Voilà, je pense. Oui, tout à fait. Si on vient te voir, tu peux nous aider. Bah, moi, ça va, je n'ai pas ces problèmes-là. C'est rare que je sois. Ouais. C'est rare. Ouais. Je touche le bois. C'est ça. Bah après, le problème, c'est que pour l'instant, une rhinite, ça reste assez extérieur. Si vous n'en prenez pas soin, ça peut devenir des problèmes plus internes. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut soigner assez rapidement, faire en sorte de trouver la cause du problème, la régler. Et effectivement, si à chaque fois vous soignez avec des médicaments, vous ne réglez pas la cause de votre problème. Donc, ça fait que la rhinite revient sans arrêt. Donc, c'est pour ça que c'est chronique, ça revient. Et si vous ne cherchez pas la cause, forcément, ça va revenir. Et après, ça peut s'intensifier au fil des années et la rhinite va enfin, comment dire, pas se modifier, mais ça peut Affaiblir, perturber, perturber le. affaiblir autre chose et ça va être plus interne. Oui, tout à fait, exactement. Bon, bah, merci beaucoup, Kelly, pour ce super Merci live. à toi. Et pour ceux qui, bah, comme chaque semaine, je répète à chaque fois, pour ceux qui souhaitent consulter, aller voir un naturopathe, donc Kelly vous reçoit les mercredis après-midi. Attends, est-ce que je vais pas me Non, tromper ou pas? le C'est mercredi bien matin. les mercredis matin. Ouais. Rue Rossini, c'est ça? Ou est-ce que je me Non, trompe encore? Non, mais à chaque. Rigouneau. Hein? Rigouneau, merci. Ah non, mais à chaque. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours Rue Rossini en tête. Non, c'est Non, Rue c'est Gounod. mercredi matin, de 8h à 14h, rue Gounod. Rue Gounod. Je ne sais pas pourquoi je retiens Rossini et je ne retiens pas Gounod. Bon, bref. Bon, c'est pas grave. Maintenant, là, on va tous le retenir. Rue Gounod. Voilà, donc Kelly, elle a un compte Instagram, c'est donc kelly.éclatdevie. Donc vous pouvez lui envoyer des messages sur Instagram, même pour prendre vos rendez-vous. Si vous avez des questions que vous souhaitez qu'on transmette directement à Kelly, n'hésitez pas, on est là pour vous. Alors je vous rappelle, donc c'est notre dernier live pour le moment. On va mettre en avant un petit peu les coachs de Cyclone en espérant de vous retrouver très vite chez Cyclone pour pédaler. Voilà, donc espérons que les choses s'améliorent et que tout le monde se fasse vacciner, même si Kelly, elle va me regarder avec des grands yeux et dire, c'est vacciné? T'es sûr? Je ne peux pas. Bon, voilà. Et puis voilà, bon, je vous souhaite à tous une excellente soirée et encore merci Merci. là. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.
Bonne soirée. Merci à toi. Bisous. Ciao, ciao.